Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes enfin sur Raven, après des mois et des années d'attente, Ankama nous tease depuis si longtemps. L'alpha fermée est sortie aujourd'hui, donc voilà, on peut le tester depuis chez nous. Alors, je le répète, elle est fermée, c'est-à-dire qu'elle est disponible que pour 1500 personnes à peu près. Les clés ont déjà été envoyées, c'était sous forme de questionnaire. Ça fait déjà plusieurs semaines que le questionnaire a été fait. Alors, personnellement, je n'ai pas reçu de clés, mais c'est un ami à moi qui donc a reçu deux clés, parce qu'en fait, chaque personne sélectionnée recevait deux clés et me l'a donné. Donc voilà, merci à JP pour me donner accès à Waven. Je suis très content de pouvoir vous le présenter. J'ai pu le tester en convention, j'avais tellement hâte. Alors, quelques petits trucs à savoir. Déjà, c'est une alpha qui représente à peu près 5% de la totalité du jeu, c'est-à-dire que graphiquement c'est très joli. Et c'est essentiellement consacré au PVP dans cette alpha. D'ailleurs, c'est totalement consacré au PVP. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de PVM, si vous ne voyez pas de quêtes, de PNJ, de villes, d'exploration, etc. Tout ça arrivera à terme dans la version finale du jeu. Il n'y a pas de date précise sur la sortie officielle. Donc, ce ne sera pas avant 2020, à mon avis. En tout cas, ils vont sortir pas mal de choses au fur et à mesure des mois. Et d'ailleurs, ils vont distribuer de plus en plus de clés pour l'alpha. Donc, si vous n'en avez pas actuellement, ne vous inquiétez pas, il y en aura au fil du temps. Donc, je suis très content de vous présenter ça, ça me fait tellement plaisir vraiment. Donc nous voilà sur le Havre Hill, donc c'est la base même de là où vous connectez, c'est votre petite maison. Donc vous avez plusieurs choses dans l'interface qu'on va regarder. Vous avez en haut à droite les options pour le son, etc., que vous pouvez regarder, pour le plein écran, la résolution, tout ça. Vous pouvez déclarer un bug, tout simplement rapporter un problème avec un screen qui est envoyé. Vous avez donc deux interfaces disponibles depuis votre Havre Hill. Vous avez la première qui vous permet de changer de classe. Actuellement dans Waven, il y a 7 classes disponibles. Donc on l'a testé pendant 5 heures cet après-midi. C'est pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo un peu plus tard, une fois qu'on l'a bien testé. Donc on l'a testé pendant 7 heures. On a testé les 7 classes différentes. Alors il y a plein, on n'a pas testé toutes les formes, mais en tout cas il y a plein de choses. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'explique en détail comment fonctionne Waven, n'hésitez pas, parce que je vais pas trop revenir là-dessus. Enfin, je vais revenir sur les précisions, sur l'ergonomie, sur le jeu, etc. Mais sur comment fonctionne le jeu en détail, c'est une vidéo qui dure un quart d'heure sur ma chaîne, qui est déjà dispo. Donc on a accès à 7 classes, Yop, Xelor, Sacrilleur, Sram, Osamoda, Enirivsa et Kra. Et en plus de ça, on a accès à des formes différentes, donc c'est ça l'interface en bas à gauche. Donc il y aura à terme donc, le profil, la collection, il y aura plein d'autres menus, hein, ça va venir petit à petit. Mais du coup là on a accès aux 5 formes du Sacrilleur par exemple. Donc voici les 5 formes du Sacrilleur. Une fois que vous équipez une forme, vous allez le voir, ça l'a... Bon, le personnage apparaît sous cette forme enfin directement à votre écran. Donc si je change par exemple pour être le Sacrilleur, le Dard de Khan, vous allez voir que voilà, l'apparence va changer. Et effectivement, si je change de classe, ce sera pareil. Donc si je change pour jouer par exemple un Kra, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? On pourrait jouer un Kra. Hop, vous allez voir que l'apparence va changer. Et effectivement, bah, pareil, si vous prenez le Kra Shirushaden ou Voldorak, Vo, etc., vous allez voir l'apparence va changer du personnage directement. Il y a également une partie supplémentaire qui est vraiment importante, c'est la création de decks. Vu que Waven est un système de deck de sorts, c'est-à-dire que vous allez piocher des sorts et les jouer sur le terrain. Je sais que ça chagrine beaucoup de gens et je le précise, Waven est un jeu différent de Wakfu, différent de Dofus, différent de Crossmaga, différent de tous les jeux qui ont été créés par Ankama. Dans la timeline et dans l'univers, ça se passe voilà, dans l'univers du Cosmos. Dans la timeline, il y a Dofus d'abord, puis il y a Wakfu qui est 1000 ans plus tard, et ensuite il y a Waven des années et des années plus tard. Donc voilà, c'est toujours dans le même univers, mais c'est un jeu qui est très différent. Ça va vous paraître bizarre des fois, mais c'est normal. Et encore une fois, c'est pas du tout le jeu à terme, donc il sera plus MMORPG de Tactical. Donc ne vous inquiétez pas si il y a certaines choses manquantes, ça viendra avec le temps. Il y aura évidemment des kamas, il y aura des quêtes, des PNJ comme je vous l'ai expliqué. Donc vous avez le deck par défaut qu'on va tester directement, que vous allez voir. Donc il y a des compagnons que je vous ai déjà expliqué, c'est des créatures que vous allez invoquer, que vous contrôlez pour jouer avec vous. Il y a donc votre personnage, vous avez ses points d'attaque, ses points de vie, ses points de mouvement, son sort principal qui va être rajouté au deck. Vous avez le passif, donc qui est un... Chaque héros, en fait, chaque forme, donc il y a plusieurs formes de Kra, chaque forme de Kra a un passif et un sort, en plus des 50 sorts communs. Donc voilà, pour chaque classe, vous avez 50 sorts communs, et pour chaque forme, vous avez un sort et un passif différent. Vous avez votre deck de sorts à droite, donc c'est les 8 sorts que je vais jouer, plus celui de ma forme de l'arme. Donc c'est l'arme, hein, qui c'est une arme chouchou, c'est elle qui va... C'est le seul équipement qu'il y a actuellement sur Waven.
Action qui va faire l'intégralité de l'apparence de votre personnage et qui va donner votre passif et votre sort supplémentaire et donc les compagnons qui vont venir vous aider. Donc il y a différentes formes de compagnons, il y a des compagnons soldats qui sont assez faibles en coût, qui demandent pas beaucoup de coûts pour être invoqués, et il y a des compagnons champions qui sont des légendaires comme Tristepin par exemple, donc des personnages de l'univers du Crossmos qui vont venir vous aider, qui tapent plus fort, qui ont plus de vie, etc. Donc, nous allons tester ça, vous pouvez également créer, et c'est ça qui est le plus intéressant dans Waven, c'est à la force du jeu, c'est que vous allez créer vos propres decks, donc vous avez vos decks de 8 sorts, vous pouvez créer vos compagnons également, vous pouvez les ajouter comme vous voulez, c'est à vous de choisir, vous lui mettez un nom au deck, par exemple Terre-Feu, parce qu'il y a évidemment du bi-élément, il y a du multi-élément, vous allez pouvoir faire, en gros il y a différentes voies élémentaires, vous allez pouvoir faire plusieurs choses, vous pouvez voilà, mettre Adamaï par exemple, et pour vos sorts, pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il y a soit donc les sorts feu, soit les sorts eau, soit les sorts terre, soit les sorts air, et les sorts multi-éléments, donc qui on voit, vous voyez, qui donnent des jauges élémentaires de différents éléments, qui tapent différents éléments, vous avez plein de choses, vous avez également des invocations, enfin vous avez compris je pense, vous créez vos 8 sorts, et une fois que vos 8 sorts sont mis, donc là je mets à peu près n'importe quoi, hein, ça n'a aucun sens, c'est juste pour vous montrer, vous faites retour et vous avez votre deck, voilà, vous, qui s'appelle Tech-Feu, vous pouvez l'équiper, donc voilà, c'est celui qui sera équipé. Donc voilà, donc j'équipe le deck de base, on va lancer un combat pour découvrir ça avec vous. Donc c'est parti, je suis tellement content les amis, ça me fait vraiment plaisir. Donc il y a deux parties, il y a une partie training contre donc là une IA, une intelligence artificielle qui est contrôlée par un ordinateur, et vous avez une partie contre l'arène, donc 1v1, qui est la feature principale du jeu actuel de l'alpha. Donc il y a la feature de l'alpha qu'on va pouvoir tester. Il y aura le 3v3 qui va arriver bientôt, je sais aussi que le 2v2, le vrai 2v2 va arriver. Donc là ça recherche un joueur et ça trouve directement, ne vous inquiétez pas, ça va vraiment très vite à être trouvé. Donc nous sommes contre un Xelor, donc une forme de Xelor, qui s'appelle Naodou, et donc c'est la forme régulant Gurapa. Donc c'est lui qui commence en termes d'initiative, donc je vais vous expliquer l'interface. Nous voici sur le champ de bataille, nous voici dans l'arène pour nous affronter. Donc je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, il n'y a pas vraiment de système de portée, c'est-à-dire que vous pouvez lancer un peu les sorts où vous voulez sur la map, c'est-à-dire que vous le sélectionnez. Donc vos sorts sont en bas, donc vous voyez j'ai 6 PA, donc c'est mes points d'action, j'ai 3 points de mouvement, donc je vais me déplacer de 3, et je vais faire un sort par exemple, il s'appelle Tir Féroce, qui est extrêmement puissant, qui inflige 3 dégâts et une personnage aligné à votre héros, et qui fait un dégât supplémentaire par casque qu'il y a entre nous. Donc ça c'est le maximum de cases qu'il peut y avoir entre nous. Il y a 5 cases, donc je vais taper à 8, ce qui est extrêmement fort, 8. Alors ça aussi ça paraît bizarre parce qu'on a 40 points de vie, voilà j'ai 39 points de vie. Mon adversaire en a pareil, 40, 42 de base et moi j'en ai 41. Il n'y a pas de système d'érosion, mais en tout cas ça fait bizarre de taper avec des sorts à 3, à 1, etc. Mais vous allez vous y faire assez rapidement. Donc, vous voyez, j'ai utilisé 6 PA, ça m'a donné 2 jauges élémentaires, ça m'a donné 2 jauges élémentaires terre, qui va me permettre d'invoquer des compagnons que vous voyez sur la droite. Et il y a différents états, il y a différentes possibilités, il y a également une réserve de PA, c'est-à-dire que mes sorts me permettent de gagner des PA dans ma réserve, et quand je gagne des PA dans ma réserve, je peux les utiliser à tout moment de la partie, quand c'est mon tour bien évidemment, pour pouvoir utiliser des sorts qui coûtent plus cher, par exemple, tir immobilisant coûte 8 PA, j'en ai 6 de base donc je ne peux pas les utiliser. Donc mettre ce genre de sort, ça va me coûter assez cher. Donc, alors actuellement, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc on a 4 et 3, on pourrait se servir de la 3. Ah, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on peut mettre en état boueux. Voilà, on va mettre en état boueux, qui peut être pas mal. Et on peut utiliser notre réserve pour faire un dégât supplémentaire. Voilà. Ok, qui m'a fait envoyer une fléchette. Donc il y a une petite fléchette autour de moi, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir un dégât supplémentaire. Donc il est à 30 et moi je suis à 37. Donc je peux m'écarter. Alors, point très important dans Waven, c'est que quand vous faites un déplacement, vous ne pouvez pas faire un deuxième déplacement. C'est-à-dire que vous faites tout dans le même déplacement. Quand vous utilisez vos 3 PM, donc là par exemple j'ai utilisé 3 d'un coup, si j'utilise un seul PM, bah, ça va m'arrêter. Je pourrai jamais utiliser les 2 PM suivants. En gros, dans Dofus, vous allez faire un PM, vous allez jouer un sort, un autre PM, lancer un sort, où vous pouvez tout dépenser d'un coup, vous les dépensez comme vous voulez dans votre tour. Waven, ce n'est pas le cas. Si vous voulez vous déplacer, vous n'avez qu'un seul déplacement, et il y a aussi une notion à prendre en compte très importante, c'est que vous pouvez donner un coup au corps à corps. Tous les personnages du jeu peuvent donner un coup au corps à corps, qui sont à la hauteur de leur puissance, de leur attaque. Donc moi, vous voyez, j'ai 3 d'attaque, donc c'est-à-dire que je peux, quand je vais aller au corps à corps taper quelqu'un, ça va faire 3. Et du coup, il faut vraiment que je sois au corps à corps de lui, et ça marche dans le déplacement. C'est-à-dire que je vais choisir le déplacement, glisser vers lui, vous allez voir un mouvement d'attaque qui va être fait, enfin, comme s'il y a une prévisualisation d'attaque sur lui, je vais vous montrer ça dans pas longtemps.
Alors également au niveau de l'interface, en haut à droite vous voyez son nom, ses points de vie, le x4 c'est le nombre de cartes qu'il a dans sa main. Également vous avez ses PA et sa réserve. Donc voilà, donc là il a invoqué Amalia, qui est un personnage très puissant. Donc nous allons... Voilà, c'est les mires. Les mires, c'est les projectiles qu'il y a en supplément. Donc j'ai actuellement 3 à ma réserve. J'aimerais bien invoquer quelque chose pour m'aider. Je suis un petit peu mal barré là. Donc on pourrait techniquement faire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire? On pourrait essayer de donner des PA. Donc là, vous voyez, je vais aller le taper. Voilà. Donc vous voyez que j'ai fait le déplacement. Là, je ne peux plus déplacer mon personnage. Même s'il me reste des PM, je ne pourrais pas. Et du coup, on va faire 5 de dégâts. Ça me paraît très très bien. Même si... Ok, on va faire ça. Et est-ce qu'on va invoquer? Applique l'état boueux quand il attaque. On peut attendre pour invoquer Tristepin. On a 5, on aura peut-être un sort qui nous invoque 2. C'est ça. On va attendre avant d'invoquer donc Tristepin, qui est un héros champion. Un compagnon champion. Donc un gros compagnon qui coûte cher, donc il y a plus de vie, qui tape très fort, etc. Donc voilà, c'est en fonction de leur efficacité, leur capacité. Donc alors, ce Xelor est basé, celui-là, sur les boucliers. À chaque fois qu'il gagne un point de bouclier, ça lui met un PA dans sa réserve. Donc tous les héros, toutes les formes ont des capacités différentes. Donc là, il a invoqué un cadran. Donc vous voyez que les animations sont vraiment très belles, c'est très propre. Ça manque un petit peu, je trouve, de particules, d'animation. En fait, les retours qui ont été faits dans les 5 heures... Bon, déjà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le jeu. Et il n'y a pas de souci, je le comprends parfaitement. Il y a beaucoup de gens à qui ça ne plaît pas du tout. Et il y a beaucoup de gens à qui ça plaît aussi. Hein, il y a évidemment les deux. La plupart des gens trouvent quand même le jeu... C'est, on a regardé 75% des gens qui ont répondu au sondage que j'avais fait sur mon live, ont dit que le jeu était très beau. En tout cas, les gens trouvent quand même que ça manque d'animation. Alors, cette forme, apparemment, elle a l'air d'être inciblable. Hein. Je pense qu'on ne peut pas la cibler. Non, on ne peut pas la cibler. Donc, il y a des états d'inciblable aussi, de ce genre de choses. Donc, on va faire ça à ce héros. Enfin, à Amalia, du coup. Je ne peux plus attaquer. Par contre, on va invoquer Tristepin. Et on va le faire taper. Voilà, directement. Ok, alors je sais pas si c'est le cadran qui fait ça. Alors, mécanisme, apparition, gagne autant de points de bouclier que le sinistro qui est en place, inciblable à votre héros jusqu'au début du prochain tour. D'accord, donc là normalement il devrait plus être inciblable. Voilà. Ah si, il l'est toujours, non c'est bon, ça l'a retiré. Donc là maintenant il est ciblable, notre ami. Donc vous voyez que j'ai invoqué Tristepin avec son bras très puissant. Donc ça m'a coûté 7, ça m'a coûté très cher de le poster, de le poser sur le terrain. Mais en tout cas il tape très fort, il a 5 d'attaque, c'est vraiment extrêmement fort. Ça régène pas mal d'ailleurs, ouais voilà, ça régène un petit peu. Amalia a un petit peu de soin, c'est assez fort aussi Amalia, c'est un perso intéressant. Un compagnon intéressant. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'invoquer tout simplement, enfin de continuer à taper tout en se protégeant. Donc ce que je vais essayer de faire, là, c'est de me protéger. Je vais essayer de mettre un meurtrière pour vous montrer un petit peu l'idée de meurtrière. Meurtrière, c'est un sort qui vous cache, donc qui vous met... D'ailleurs, j'ai 13 de vie, donc je me sens assez faible. Peut-être que je devrais tout simplement le taper. Téléporte un personnage à 2 cases et inflige un personnage adjacent à la case d'arrivée. Donc je peux faire ça, par exemple. Ici, pour dans un premier temps. Alors peut-être que ça tape plus fort. Tac, la taboueux, donc non. Peut-être qu'il me faudrait que je cherche à faire plus de dégâts. Ça fait 3, ça me permet de pas être ciblé, ça peut être vraiment intéressant. On va se mettre ici. Tac, là on va taper au maximum de notre puissance. J'ai pas beaucoup de possibilités, j'aimerais bien. Voilà, on va se mettre ici. Ok, on va le mettre là, donc on cible le personnage, voilà. Ok, donc j'aurai 2 à ma réserve, prochain tour je vais pouvoir infliger 6, donc ce qui sera assez puissant. Donc là, à mon avis, c'est soit il me tue maintenant, ce qui est possible avec 10 PA au total, ça me semble faisable. 13 points de vie, il tape à 3, Amalia tape à 3, donc il y a déjà 6 d'infliger. Donc là, s'il inflige 7, j'ai perdu la partie. On va voir s'il arrive à me les infliger. Il reste 4 PA, donc 1 dans sa réserve et 3 de base, donc s'il arrive à m'infliger 2 là... Il arrivera à me tuer, mais c'est pas sûr parce qu'il a qu'une carte dans sa main. Ce qui fait aussi qu'il faut avoir un système de pioche, etc. Il faut avoir pas mal de mécaniques dans la tête. Donc ouais, la mécanique de pioche c'est très important. Donc c'est-à-dire qu'il faut jamais que vous soyez que vous ayez 0 carte dans votre main. Il faut toujours que vous ayez un petit peu de jauge aussi pour invoquer vos compagnons. Vos compagnons peuvent également mourir. Ah, il a invoqué Tristepin, du coup je suis mort. Ah, il a pas eu le temps de jouer. Malheureusement, il a pas eu le temps de m'attaquer. Mais s'il avait eu le temps... D'ailleurs, vous jouez tout le temps. Tout dans votre tour, c'est-à-dire que vos compagnons n'ont pas de tour, point très important. Du coup, je vais essayer de vous montrer ça. Immobilisation. J'inflige 6, voilà.
Du coup, je vais laisser Tristepin le tuer. Et du coup, c'est une victoire. Voilà, vous voyez, donc j'ai gagné. Donc là, s'il avait pu jouer, il m'aurait battu normalement. Mais bon, c'est pas très important. Là, l'idée, c'est de vous montrer. De toute façon, il y a un ladder. Il y aura un ladder, je pense, dans les prochains jours. Ils l'ont dit, hein, clairement. On va changer de classe, que vous voyez un petit peu. On va jouer... Qu'est-ce qu'il a joué, lui? Ok, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? On pourrait jouer SRAM, que je vous montre un petit peu comment, comment fonctionnent les pièges. Je vous montrerai le SRAM feu, du coup. Ouais, c'est celui-là, nickel. Je vais vous montrer un petit peu le système de piège chez les SRAM. Donc, ils ont tous des capacités différentes. Allez, c'est parti. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en détail. Vous avez le droit d'aimer. Alors, Osamoda, c'est très très fort. C'est l'Osamoda Crackler. Donc, il invoque des Cracklers. C'est extrêmement puissant. J'ai l'impression que c'est un peu une des classes top tiers de la méta. Il y a Lenny aussi. Bon, vous voyez qu'il y a des méta déjà qui commencent à se dessiner. Il y a pas mal de gens qui font du Theorycraft et tout. C'est ça aussi l'intérêt. C'est là j'utilise les cartes de base, j'utilise les decks de base, mais c'est à moi de personnaliser mes decks après pour en faire quelque chose de puissant. Alors le SRAM se base du coup sur des pièges. Vous pouvez invoquer des pièges sur le terrain, sur la map, donc pièges plose, pièges huilés, etc. Et donc il déclenche des explosions sur le terrain. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc là il va invoquer un petit crackler. Il faut absolument le tuer, c'est vraiment extrêmement fort. Il faut pas le laisser longtemps sur le terrain. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais déjà invoquer, infliger 5, ça me semble pas mal. Je vais rester loin, je pense. Ah, ok, nickel, ça inflige aux 2 en plus, c'est vraiment très fort. Ok, nickel. Je vais essayer de tuer rapidement le bébé crackler, parce que c'est vraiment une invocation très puissante. Vous voyez que le Samoda a pas mal de vie aussi. Il s'appelle Wave 10, l'ami qu'on affronte. Du coup... Okay, le chat est en forme hein, aujourd'hui. Il va en forme, on a streamé toute la journée, donc forcément il voulait de l'attention. Donc les réseaux de pièges sont différents. Dans Waven, quand un SRAM pose un piège, il faut vraiment que le joueur termine son tour dedans. S'il le traverse, il ne se passe rien. Et ça, ça a vraiment un aspect important. Alors, c'est toujours le tour adverse. Est-ce qu'il protège? Il y a possibilité aussi de protéger son bébé crackler. Donc il faut faire attention. J'essaie de poser un piège du coup. Ah, il est insensible du coup, il sera insensible à une attaque. Et du coup, vous voyez, il invoque son compagnon qui vient directement m'attaquer. Je me sens déjà pas bien. Hein. Et là, son crackler arrive. Il avance que d'une case. Alors, est-ce que je vais pouvoir le taper 2 fois, inflige de dégâts et repousse l'ennemi d'une case? Donc oui, je vais pouvoir faire ça. Est-ce que ça déclenche l'explosion? Inflige 1 de dégâts et déclenche les explosions. Alors, du coup, je peux mettre un piège. Il faut que je puisse... faire ça. J'ai pas trop envie de m'approcher de l'Osamoda, je vous avoue. Je vais me mettre ici. Ok, on va faire ça. Donc je vais poser un piège. Construire un piège jusqu'à 3 cases. Ok. Donc je vais mettre le piège ici. Et ensuite j'inflige 1 de dégâts. Donc là il va être insensible avec la bulle, mais le piège va lancer l'explosion. Ça devrait le tuer. Voilà. Donc le piège déclenche une explosion en fait, vraiment. Donc c'est voilà, c'est vraiment le terme, c'est explosion. Inflige des dégâts au personnage adverse autour d'elle. Donc c'est toutes les cases qu'il y a autour. Donc même celle en diagonale, mais juste autour du piège en lui-même. Voilà. Mais donc là je pourrais éventuellement invoquer un compagnon. Je vais pas le faire, je vais attendre le roublard, je vais attendre Remington. Parce qu'il est vraiment très fort, il déclenche... l'effet se déclenche, il a une bombe, etc. Enfin c'est vraiment intéressant. Il a un effet plutôt cool, il tape fort, donc c'est vraiment cool, il a plus de vie. Je pourrais invoquer au repos aussi, qui a un petit peu de soin, qui est assez intéressant. Là est-ce qu'on va pouvoir... Alors ok, il est en train de venir directement au corps à corps, il vient nous taper. Donc là on pourrait poser un piège... dans lequel on pourrait le pousser, inflige un dégât et repousse d'une case. Donc là on pourrait effectivement... Ouais, je prends assez cher honnêtement les amis. Inflige 3 de dégâts et déclenche l'explosion. Donc là ça va me faire gagner 2. Donc je vais devoir le tuer directement comme ça. Voilà. Même si ça a déclenché l'explosion, c'est pas grave. Ok, nickel. La passive de ce SRAM d'ailleurs, c'est d'avoir... quand vous attaquez quelqu'un, ça déclenche ses pièges. Donc ça déclenche l'explosion. C'est vraiment très fort hein, pour le coup, c'est vraiment très très sympa. Après c'est à vous de faire attention, enfin c'est pas fort SRAM, mais l'idée du système de piège est vraiment intéressante. D'ailleurs c'est une des classes les moins fortes je pense SRAM. En tout cas j'aime bien le jouer, c'est vraiment très cool. Et le Samoda, déjà très fort, déjà appelé au nerf. Du coup, c'est vrai que c'est assez lent. Vous allez me dire dans les commentaires, c'est vraiment important, je pense. Si vous trouvez que Waven est plus lent que Dofus, certains joueurs trouvaient que justement c'était plus lent. Je suis pas tout à fait de cet avis, je trouve que le jeu est effectivement lent. Mais il y a un côté aussi dynamique, dans le sens où... alors attendez, inflige 2 dégâts, inflige 5 dégâts, vous piochez votre prochain piège. Donc là j'ai besoin de faire ça. Construisez un piège huilé, donc là je vais faire ça.
Je pose un piège ici, donc il va déclencher. Alors, il y a un système d'assemblage. En gros, quand vous assemblez plusieurs pièges l'un avec l'autre, ça vous lance, ça vous active l'effet. Donc là, je pourrais le pousser d'une case. Repousse les mines d'une case, donc je peux le pousser. Déjà, je vais commencer par le taper, qui est important. Peut-être que je pourrais taper le. Ah non, je suis. Oh là là, je peux pas le taper! Aïe 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 aïe! Ok, je peux pas le taper parce que je suis dans un état particulier. Et je vais invoquer au repos, hein. Soif de repos, qui est très 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 fort. Voilà. Très très fort au repos aussi, beaucoup de points de vie. Donc j'ai un état où j'étais, je sais plus si ça s'appelle confus ou un truc comme ça, vous avez vu les tofu au-dessus de ma tête, je ne peux pas attaquer au corps à corps. Je peux lancer mes sorts, et je ne peux pas attaquer au corps à corps. Il y a plein de petites mécaniques comme ça, et c'est pour ça que l'Osamoda est très fort, c'est que c'est le bébé crackler quand il tape, il assomme, voilà, c'est assommé. Et du coup ça c'est vraiment fort d'assommer l'adversaire. Parce que bah il peut pas attaquer au corps à corps, du coup ça fait la différence. Donc faut faire vraiment attention. Non mais c'est... Bon je teste hein, encore une fois, j'apprends à jouer avec. Oui, le crackler est passé niveau 2, est-ce qu'il va m'assommer? Vous voyez qu'il m'assomme à tous les tours. Du coup, ça peut être réellement très puissant. Bon, il m'a un peu roulé dessus, hein, je vais pas vous mentir. Même si, bon, si l'idée, c'est vraiment de pouvoir le tester avec vous. Inflige 3 dégâts, donc je pourrais même pas le tuer. Un peu triste. Je pourrais même pas, j'arriverais même pas à le tuer. Parce que si je lance soif de repos... bon, j'aurais 2... Ah, si, je pourrais le tuer. Ok. Je pourrais le tuer, je vais pouvoir tuer le crackler, mais je vais mourir au prochain tour. J'ai que 7 points de vie. Donc, malheureusement. Donc, je peux faire ça. Faire ça, hop, le taper, voilà. Donc il a 15 points de vie, donc c'est le minimum où j'aurais réussi à le descendre. Mais vous voyez que c'est très fort, le fait qu'on vous rende assommé, qu'on puisse spammer les invoques comme ça, des fois, vous voyez, attendre d'invoquer un compagnon, et eh ben des fois c'est pas si bien que ça, parce que si vous en invoquez beaucoup dès le début, ben voilà, je me suis pas focalisé dessus, je me suis plus focalisé sur les invoques, et ben il arrive à invoquer, il arrive à mettre des compagnons, donc invoquer des créatures à lui, et des compagnons, en tout cas là je devrais mourir, voilà. Vous avez vu que c'est très très fort hein, pour le coup. Donc à la fin du combat, d'ailleurs je vous ai pas montré, vous voyez le nombre de dommages reçus, parce qu'on peut aussi se heal, il y a du vol de vie, etc. Le temps moyen de ces tours, et le nombre de KO qu'on a fait dans la partie, parce qu'on peut mettre KO les compagnons. Donc voilà, au niveau du jeu, c'est la feature principale pour l'instant, donc c'est ça, c'est le 1v1, donc vous avez tellement de choses à tester que c'est déjà pas mal. L'idée c'est de faire des retours du coup sur le forum, de faire des retours d'équilibrage, de dire bah, tel sort est un peu trop puissant, tel sort est pas assez puissant, cette classe manque un petit peu de cette chose-là. Ankama a dit clairement que il voulait avec cet alpha que les gens fassent leur avis complet sur le jeu, pas juste dire c'est bien ou c'est pas bien, mais vraiment dire bah, moi j'attends plutôt ça, moi j'attends plutôt ça. Donc si vous avez des retours à faire dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire, des retours constructifs hein, bien évidemment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer cette première version, cette première alpha. Moi globalement je pense sincèrement qu'ils ont un gros jeu entre les mains, qu'ils peuvent en faire quelque chose de très bien, même s'il y a plein d'idées à droite à gauche, ça en fait un jeu quand même très intéressant. Le 1v1, donc c'est la première feature, et voilà, il va y avoir le 3v3, 2v2 et 3v3 qui vont arriver. Je sais que le 3v3, c'était 3 fois 3, un joueur contre un joueur, mais le vrai 3v3, enfin le vrai 2v2 déjà va arriver. Les donjons, donc ça va arriver au fur et à mesure du temps, il y a plein de choses qui vont arriver, et du coup voilà, c'est vraiment un premier aperçu. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous avez passé un excellent moment. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas, de faire vraiment tous vos retours constructifs, si vous aimez, si vous aimez pas le jeu. Je vous rappelle que c'est orienté quand même assez PVP, dans le futur, donc je pense que peut-être au niveau dynamisme, améliorer certaines choses, c'est ce qui est ressorti un petit peu, mais il y aura effectivement du PVM, il y aura des quêtes, il y aura des donjons, il y aura des kamas, il y aura une économie, ça va venir petit à petit, donc ne vous inquiétez pas, c'est voilà, c'est la première version, et c'est vraiment ce qui ressortait, c'est les gens disaient, ah mais c'est que ça Waven pour l'instant, oui, mais c'est vraiment pour tester, faire des retours, donc voilà, je vous prends pas plus de votre temps, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, je vous aime, n'oubliez pas de vous abonner évidemment pour être au courant des prochaines vidéos. Bye bye tout.